214 Victor Eco 27 pour 14 Oscar Delta Romeo 002 Rémi, QRZ local Dandy 33 qui te lance appel. Ok, c'est parti pour moi. Ok Eric, es-tu là? Alors ok, attends, je vais améliorer ça un peu. Oui, affirmatif. D'accord, ok, voilà. Est-ce que ça va un petit peu mieux maintenant? Ok, Eric, est-ce que tu m'entends mieux maintenant ou tu veux que je pousse encore un peu plus? Vas-y, monte un peu, monte un peu. Bon, voilà, ok, voilà. Là, je suis au maximum que l'alimentation peut supporter, là, je pense. Voilà, donc... je suis pas complètement à fond. Je suis là actuellement avec le matériel que j'ai récupéré là au sud de Toulouse, avec la station là que l'OM avait montée là pour faire des expéditions et tout ce qui s'ensuit. Moi, je suis toujours là en phase de test. Ah non, négatif. Voilà, là je suis avec un Summer Camp TS 2000DX, ou si tu préfères le RCI 2950. Voilà, plus eh bien, la petite boîte là qui va bien derrière. T'as dû voir les photos là sur les ondes du routier. Ouais, ben tiens, justement, j'ai eu Demir 18, là, Pascal, hier soir, au téléphone. J'ai eu quelqu'un qui m'a répondu aussi, là, sur le forum, là, les ondes du routier. Et ouais, c'est bien ce que j'avais vu aussi, là, sur Internet. Parce que c'est vrai que de mon côté, j'avais un petit peu cherché, un petit peu gratté. Et ça me paraissait bizarre. Je me suis dit là, parce que bon, d'accord, côté alimentation, je suis pas là où j'ai pas ce qu'il y a de plus gros. Bon, j'ai juste là une 30 ampères. Bon, ça va là, elle suit, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais pour faire un test maximal, c'est pas ça. D'autant plus que va falloir que je change quand même le cap d'alimentation. Celui-là qui raccorde la station à l'alimentation. Je suis là actuellement en 2.5, mais j'ai l'impression que ça va pas suffire pour la pleine puissance. C'est pas gagné là, je crois là. Pourtant l'OM avant avait l'air de tourner comme ça, il n'avait pas l'air d'avoir spécialement de problème. Mais est-ce qu'il sortait le maximum de puissance? Maintenant, je suis pas sûr. Je sais pas si t'as vu, j'ai voulu changer le câble pour en mettre un de 10 mètres, mais même section. Ah ben c'est pas la peine. Ça, je pensais pas qu'en 12 volts, la longueur de câble comme ça pouvait chuter à ce point-là, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et avec Pascal hier soir là au téléphone, on a un petit peu jeté sur Internet. Et il s'est rendu compte qu'avec un câble de 2.5 sur 10 mètres, eh bien je perdrais environ 3 volts. C'est hallucinant. Et celui qui s'amuse à mettre du 1.5, eh bien là, pour le coup, c'est carrément quelque chose comme aux alentours de 6 volts. Hein. Et là, actuellement, je te le dis tout net, là, je suis en train de faire une petite vidéo, là, justement, expérimentale. Et je passe sur les vues mètres, je passe sur je suis là sur le wattmètre là actuellement, maintenant là sur le voltmètre, tu vas halluciner quand tu vas voir ça là sur Internet. Et j'ai vraiment un problème du côté du câble d'alimentation. Même celui que j'ai là actuellement qui ne fait que 2 mètres, il est pas suffisant parce que ça clignote. Hein.
là, ça clignote. Si tu m'entends un petit peu dégradé, je ne serais pas trop étonné, hein, parce que là, ça clignote. Hein. Ah ben bien sûr, oui. Et d'autant plus que je vois là, a priori en AM, je les ai les 100 watts. Hein. Bon, j'ai pas, j'ai fait un test ce matin avec Mario. Bon, il est trop près. Hein. Il est trop près là pour l'AM. Je lui passais trop fort, je lui passais trop écrasé. Hein. Bon, il va falloir que je revoie aussi un petit peu le Hertzmet, parce que là, déjà, là, il me paraît un petit peu généreux, là, en réception. Donc ça, bon, c'est pas grand-chose, hein. Il me suffit que je me cale sur une balise. Je prends mes repères avec le DK, que je reporte sur celui-là, et puis voilà. Un autre petit inconvénient, comme le RCI, le Hertzmet, il n'est pas gradué, hein. Donc là, enfin, je me fasse un petit marquage parce que là, je suis incapable de te faire un report. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas pensé à ça là au départ. Et c'est vrai que ce même problème sur le a débordé également sur le RCI, alors qu'ils pouvaient très bien faire une petite graduation là juste à côté. De ça, au moins, ça aurait permis d'avoir un meilleur suivi, une meilleure idée, de pouvoir faire des reports tout simplement, quoi. Là, j'ai pas encore bien l'habitude de cette station, donc là, ça serait un petit peu aigu. Il faudrait que je reprenne là sur le DK là pour ça. Hein. Et les stations ce matin, je les entendais un petit peu aiguës, même en AM. Alors peut-être que c'est bien du HP, je sais pas. Le HP, c'est le HP extérieur que j'ai là, c'est un Eurosibi. Avec un filtre NB incorporé. Bon, là, il est enclenché. J'ai fait des photos et tout que j'ai mis là sur le forum, hein, dans les différentes rubriques. Hein. Justement, là, pour que les gens puissent voir là comment c'est foutu un petit peu là ce filtre NB là à l'intérieur. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est juste un condo. Hein. Voilà, juste un condensateur que tu branches là, sur le HP via un interrupteur et voilà, c'est tout. Hein. Mais autrement, la radio est bonne, il n'y a pas de problème. Hein. Seulement, il faut que je fasse d'autres essais, davantage d'écoute avec, pour voir un petit peu, pour m'habituer un petit peu, voir ce que je peux améliorer pour lui donner un peu plus de grave. Pourtant, je t'ai clarifié, il n'y a pas de problème. Hein. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, même en AM, j'arrive à avoir un peu trop un petit peu trop aigu. Ouais. C'est faut que je vois. Peut-être que c'est tout simplement le HP qu'il faudra que je change. Je sais pas. Faudrait que je teste celui que j'ai au QRA là sur le DK. Là, qui est déjà plus gros. J'aurai peut-être de meilleurs résultats avec. À voir. Ah oui, je comprends tout à fait. Non, mais c'était pour savoir si la radio.
Ah ben, côté volume, tu veux dire, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Côté volume, ça cartonne, hein, y a pas de souci. Hein. Alors, c'est l'ancienne version du RCI, c'est-à-dire le Summer Camp TS 2000DX. Voilà, je suis en train de faire un gros plan sur le nom, ouais, j'espère qu'on voit bien. Ouais, voilà, ok. Voilà, je suis en train de... Voilà. C'est le Summer Camp TS 2000DX. Ouais, voilà, d'autant plus que là, je me suis acheté un appareil photo-vidéo, ce qui va me permettre de ne plus utiliser mon téléphone pour ça. Par contre, la résolution est un petit peu hors norme, et ça, je peux pas y toucher, c'est bien dommage. Sur l'ordinateur, ça oblige à passer plus de temps au logiciel à travailler la vidéo. Mais bon, qu'importe. J'ai fait des tests. J'ai fait un test samedi soir. J'étais sur un concert, un truc comme ça, là, sur un petit village qui est à quoi, peut-être 25 kilomètres de chez moi. Hein. Donc j'ai fait un premier test là avec le son nickel, ça a pas du tout écrasé. Pourtant il y avait du volume. Le zoom nickel aussi, puisque je peux pousser jusqu'à 22x, 22 fois, je veux dire. Donc là ça va être nickel. Et là voilà, je suis en train justement là de faire ça. Là je suis à quoi? Je suis à 14 minutes là de vidéo et des brouettes. Là bon bah ça. Là je suis en train de faire plein de tests en fin de compte là. Le matériel, la vidéo, la totale quoi. Ah, je termine mes vacances. Voilà, là, je viens de terminer les vacances. Et ah oui, je dois, plus ça va, plus je suis persuadé que je vais rapidement changer le HP parce que celui-là est vraiment, c'est vraiment assez aigu. Là, je sors de 2 semaines de vacances et je reprends le boulot ce soir, pas très loin de chez moi. Je descends pas sur Bordeaux ce soir. Là, je vais à quoi? Là, 20 km là du QRA, une petite vacation là de 4 heures de temps là et puis voilà quoi. Je travaille ce soir pas loin de chez moi, vendredi soir kiff kiff bourrigo, samedi soir, dimanche soir, je suis sur Bordeaux. Ben, cet été, la propague est un petit peu assez merdique. Hein. C'était soit le matin, soit dans la soirée. Ça n'a pas été le top. Hein. Là, on attend la propague hiver là avec impatience. Hein. Et je vois que ça soit sur le forum, comme sur Facebook ou sur d'autres réseaux, c'est pareil. Hein, tout le monde fait le même constat. La journée, ça n'a pas été ça du tout. J'ai vu quelqu'un sur le forum qui attendait justement pour faire des tests là au niveau matériel. Et ben oui, mais bon là, c'est vrai que c'est pas trop ça quoi. C'est ouais ben voilà, comme je dis à l'instant là, c'est soit le matin, soit le soir, et c'est moyen. Par contre là, j'ai entendu tout à l'heure la réunion qui lançait appel. Mais bon, dommage, hein, il t'a pas entendu là, on dirait là. J'ai pas trop compris. Ouais. Pourtant, il passait bien. Hein. Ben ouais, voilà, ouais, apparemment c'était assez à sens unique. Hein. Bon, autrement, là, au niveau calage en fréquence, là, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que là, je serais assez bien calé, y aurait quelque chose à corriger, ou ça vaut pas le coup d'être corrigé? Un calage en fréquence, pour moi, il est très bon, il n'y a pas de souci. Par contre, tu ne dois pas utiliser un micro amplifié, parce que ça manque de flèche au niveau de...
Ça manque de pêche? Ah, ça c'est le micro d'origine. Voilà, je suis avec le micro d'origine, il faudrait que j'essaie un micro pré-ampli. Là, tout le monde me le dit. Alors, par contre, on aime, avec l'ampli, ça percute un peu trop, avec l'ampli, évidemment. En BLU, hier, j'étais sur le 22 supérieur, avec les stations locales. Enfin, là, j'ai fait plusieurs essais, là, ces derniers temps, avec eux. Ils m'ont fait le même constat, hein, la radio manque de pêche. J'ai réussi à lui en donner un petit peu plus là en touchant un petit peu à l'intérieur. Là je suis au taquet, hein, le poste lui est au taquet. Et il n'y a plus que côté micro. Soit je teste un micro, le mec là qui est au sud de Toulouse m'a donné pas mal de micros et tout. Hein. J'ai un micro préampli, plusieurs micros préampli, dont un Neko Master Plus, un TW232DX. Et les autres, c'est des micros préampli à main, genre micro écho et compagnie. Va falloir que je vois ça. J'ai envie de changer aussi la pastille là, de ce micro. Attends, voilà, je prends un petit peu de recul pour filmer là un petit peu ce micro. C'est le micro du RCI, hein, qui est... attends, on voit pas bien, voilà. Non, je sais pas si on voit. Bon, peu importe. C'est le micro du RCI là, qui est monté là sur le Summer Camp, la TS2000DX. Et j'ai bien envie de lui changer la pastille pour mettre la pastille du micro Superstar. Je pense que je devrais peut-être pouvoir améliorer quelque chose de ce côté-là, parce que c'est vrai que les micros Superstar, ils ont leur réputation. Hein. Et en changeant la pastille, ça me permettrait de voir quelque chose de peut-être un peu plus percutant, sans pour autant avoir l'inconvénient de la pile à l'intérieur. Ok, merci. Vu le poids, là je vais la travailler là de suite. Hein. Là je vais m'y attaquer, là je vais m'y coller là de suite. Vu le poids de la vidéo, je sais pas si dans la demi-heure ou l'heure qui suit, je vais pouvoir la mettre sur internet. Hein. C'est pas sûr du tout. Hein. Ce sera plus dans le courant de l'après-midi. Parce que là, grosso modo, au niveau poids vidéo, je suis à peu près entre 2 et 3 fois plus gros qu'avec le téléphone. Je dis ça comme ça, ça veut pas dire grand-chose. Mais je vois côté logiciel, là je vois la différence. Hein, c'est très très lourd à travailler là pour le coup. Hein. C'est de la HD. Voilà. Voilà, tout simplement, il est, d'après ce qu'on m'a expliqué, il filme en HD. Alors là, ça va être un petit peu raide à travailler, mais là, je vais m'y coller, je vais faire ça au plus vite. Ok, les bonnes 73, putain, quand je prends le micro, moi c'est affolant, moi, j'arrive pas à le relâcher. Merci, les bonnes 73 à toi, merci de ce petit QSO, merci de m'avoir permis de faire des essais avec quelqu'un d'un peu plus loin. Et je te souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Ok, merci, bye bye.